Salut, moi c'est Guy Boy, oh oh boy. Je te propose une série de vidéos dans lesquelles on aura l'occasion de faire une vraie séance de travail de hautbois comme je l'entends. C'est-à-dire, on fait 5 choses dans une bonne séance de hautbois. On se muscle ses lèvres pour être capable de jouer longtemps. On fait un peu de technique, histoire de savoir bouger ses doigts le plus vite possible. On fait un petit peu d'oral, on fait un petit peu d'écrit et on fait une invention. Et voilà, et c'est parti! Évidemment, toi, tu as mis ton manche à tremper, tu as monté ton hautbois et tu es prêt à jouer la même chose que moi, ok? J'aurai l'occasion dans ces vidéos de te présenter les outils que j'utilise au quotidien. Et évidemment, ce sont des outils gratuits, bien sûr! Commençons sans plus attendre par une pause de son. Alors, je branche mon accordeur et c'est parti! Sans plus attendre, Sound Corset, qui me permet à la fois d'être un accordeur et d'être un métronome. Regarde donc, c'est magnifique. Le but de la pause de son, c'est de faire le son le plus long possible, en une seule expiration et en bougeant le moins possible, d'accord? Au fur et à mesure, on va essayer de se rapprocher du milieu de l'aiguille. Ah, c'est parti. On va commencer par un sol. Trois doigts. Tu constates que le trait est hyper droit. Et oui, c'est vraiment ce que je cherche à faire. En revanche, j'étais un tout petit peu plus haut. Alors, ok, je vais me décontracter, je vais me détendre un petit peu et je vais la jouer un peu plus basse. On joue maintenant un mi. Alors cette fois-ci, c'était un petit peu trop décontracté. Mais c'est pas grave, on est là pour chauffer, et c'est comme ça. Et pour terminer, faisons un do. Grave. Ok, pas mal. Alors maintenant que j'ai fait cette pause de son, je vais maintenant improviser. Oui, une petite improvisation modale. L'idée, c'est de rester sur des sons longs et de continuer à chauffer. C'est parti. Cette fois-ci, on va utiliser une autre application qui s'appelle Tempura Droid. Tu le prends sur le smartphone, Tempura Droid, bim, hop là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va nous jouer cette Tempura? Allez, elle va nous jouer un Do, c'est très bien. On est dans Do bémol majeur, c'est parfait. C'est parti. Le principe, c'est de faire une improvisation qui part de Do, qui revient à Do, sans respirer au milieu, ok? On travaille toujours la longueur, la justesse, et c'est parti. Passons à la suite, un peu de technique. Pour la technique, cette fois-ci, je vais mettre mon métronome, parce que ça sert à rien de faire de la technique si on n'a pas de métronome. Pour ça, je reviens sur Sound Corset dans la fonction métronome. On se met à 80 et on va faire du mi-sol. Ok, on enchaîne mi et sol. Bien vigilant à la propreté de tout ça. Un petit peu plus difficile maintenant, on va passer du sol au do. Sol médium, do médium. Propre, on peut compliquer un petit peu l'affaire sans augmenter le tempo, mais en augmentant nous notre vitesse. En l'occurrence, on va faire croche pointé double, ça va faire comme ça. Ça
maintenant, on va monter l'arpège de Do majeur. Alors, Do majeur, c'est Do, Mi, Sol. On va y aller déjà tranquillement en blanche. Pour poursuivre avec des noirs. Mon mi sent pas très bien. En croche. C'est un petit peu plus dur à cette vitesse, donc je vais y aller progressivement, étape par étape. Je vais répéter deux notes par deux notes. Eh bien voilà, ça fait déjà un petit peu de technique, c'est déjà toujours ça de pris, hein? Ok, alors maintenant qu'on s'est un petit peu chauffé, à la fois l'embouchure et à la fois les doigts, je te propose de commencer la thématique Circle Songs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Circle Songs? C'est tout simplement un morceau qui est constitué par des cellules qui se répètent. Alors si t'as pas souvent eu l'occasion de faire des cellules qui se répètent, eh bien ce que je te propose dans un premier temps, c'est déjà de répéter les cellules que je te propose. Alors c'est de la totale improvisation, ok? Donc ça sera pas les plus grandes cellules du monde, mais c'est pas grave, c'est juste pour travailler. Ok, c'est parti. Cette application s'appelle iRealPro. iRealPro. Et je vais la lancer ici, de ce pas, et je vais créer un premier morceau. Alors je vais dans morceau, je fais un plus, je l'appelle New Song. Voilà, superbe. Je ne suis qu'un inconnu. Et le style, je vais choisir Rock Pop. Oh ouais, trop bien, rock pop. Créé. On était parti sur du Do, alors on va faire du Do. Le Do, en anglais, ça se dit C. Alors, je vais faire un C. Je change de mesure. Je fais un C. Je change de mesure. Je fais un C. Je change de mesure. Je fais un C. Voilà. Et puis là, ça sera à la fin. Alors, j'enregistre. Voilà, comme ça, ça tourne sur 4 mesures. C'est une habitude qu'on a de tourner sur 4 mesures. Me demande pas pourquoi. C'est comme ça. Et puis, c'est tout. Pop disco, bah voilà, pop disco, c'est très bien. On va tourner 20 fois, là. Voilà, c'est pas mal. Comme ça, ça nous laisse le temps d'improviser, de faire des nouvelles choses. OK ? Je joue, tu joues. C'est bon ? C'est parti ? Allez, c'est parti.
Magnifique. Alors voilà, j'espère que bon, c'était pas les cellules du siècle, c'est sûr, mais au moins ça t'entraîne à écouter et à rejouer, et peut-être ça te donne des idées. Alors continuons, mais cette fois-ci avec un logiciel qui va te permettre vraiment de rentrer une batterie et une basse. Un logiciel qui n'est pas non plus lui gratuit, mais on va dire que les programmateurs sont assez sympas, ils nous obligent pas à l'acheter. Alors c'est vrai que j'ai tendance à pas leur donner de sous. C'est mal, je sais, il faudrait le faire. Ça s'appelle Reaper. Tu peux télécharger ça sur la page reaper.fm. Ça tourne sur toutes les plateformes, sur tous les ordinateurs, même les plus anciens. Et avec des plugins gratuits, tu pourras rajouter facilement des batteries, des basses, des synthétiseurs. J'ai fait toute une série de vidéos pour apprendre à se servir de Reaper. Donc n'hésite pas à en profiter, c'est gratuit là encore. Moi, je vais me mettre derrière l'ordinateur pour créer un accompagnement. Alors, on va faire un accompagnement simple, on va juste faire une batterie. On lance Reaper et on se retrouve sur une page vierge. Très bien. Eh bien, ici, je vais insérer un nouvel instrument sur une piste. Voilà. Tu vois que moi, j'ai pas mal de plugins d'installés. Toi, tu en auras trois de base hein, si tu as jamais utilisé Reaper. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va utiliser? MT Power Drum Kit, je l'aime bien, lui. Il est sympa. Voilà, ici il me propose d'ouvrir 16 pistes, je lui dis non, j'en préfère que 2, ça m'ira bien. Et évidemment, il me dit c'est gratuit, mais en fait non, c'est pas gratuit. Ok, superbe. Alors il va falloir que je chausse mon casque pour entendre ce que je fais. Alors comment ça marche? Eh bien tout simplement ici je vais insérer un item MIDI. Voilà, je double-clique ici. Ici j'ai les différents sons qui sont là et... Ouais. Pourquoi il me le met moins fort? Ça, je ne sais pas. C'est un peu contre-intuitif, mais pour faire un sélectionner comme ça, globalement, il faut faire le clic gauche. Hop, voilà. Et donc là, si j'active la répétition, ça me fait... Ok, c'est absolument parfait pour faire qu'est-ce que je veux, c'est-à-dire improviser à tour de rôle. Ok? Donc cette fois-ci, j'improvise, toi t'improvises, j'improvise, t'improvises, j'improvise, t'improvises. Ok, c'est parti. Ok, mais comme tu peux le constater, on ne sait jamais trop quand c'est notre tour, c'est pas mon tour, c'est pas notre tour, c'est pas notre tour. Bon, on va faire comme tout à l'heure dans Airin Pro, d'ailleurs il le faisait pas, il tournait sur trois mesures, j'ai pas compris pourquoi, mais c'est pas grave. Là, on va lui demander de tourner sur quatre mesures, d'accord? Et comme ça, il y aura quatre mesures pour toi et quatre mesures pour moi. Enfin, quatre mesures pour moi et quatre mesures pour toi. Ou l'inverse. Enfin, peu importe. Je vais copier ça. Voilà, et puis ici, à l'issue de ces quatre mesures, je vais mettre un petit break histoire qu'il me prépare, il me dise, ah ouais, c'est maintenant. Alors déjà... Je vais me rapprocher un peu, si j'y arrive. Je vais mettre quatre doubles. Un petit crescendo. Voilà. Et pour commencer, je vais commencer avec un grand coup de cymbale. Je vais le mettre bien fort. Nous donnera donc 2, 3, 4. Là, ça dépasse un petit peu là. Voilà, super.
Attention, c'est mon tour. Ok, bravo à toi, j'espère que ça t'a plu et que tu as improvisé comme un génie, évidemment bien mieux que moi, j'en suis certain. Donc maintenant, je vais utiliser Reaper pour jouer et m'enregistrer, d'accord? Ça va me permettre de vraiment créer un truc tout seul. Alors, si tu as un ordinateur avec un micro, ça ne pose pas de problème. Si tu n'as pas de micro, ça pose un problème évidemment pour que l'ordinateur puisse t'enregistrer. Ici, j'ai juste à rajouter une piste audio, armée et enregistrée, et je vais superposer comme ça des pistes, et c'est comme ça que je vais créer un circle son. Insert, track, j'arme la piste, je renomme. Je vais dire que ça s'appelle hautbois 1. Je me mets ça en boucle pendant un certain temps pour avoir le temps d'enregistrer ça tranquille. Disons pendant une minute, voilà, ça ira bien. Je désactive la piste de batterie parce que j'ai pas du tout envie de l'enregistrer. J'ai envie d'enregistrer la partie de hautbois 1. Voilà, je me remets au début et je vais pas mettre la boucle non plus pour pas qu'il me refasse une autre prise. Enfin bon, bref. Et c'est parti. Ça me paraît pas mal. Alors, je vais garder cet enregistrement. Save all. Voilà. Je vais le recaler peut-être pour que ça passe un début, quoi. Je laisserai une tourne de batterie pour commencer. Voilà, vous voyez que là, ça fait 4 mesures. Tac, je vais faire un copier-coller, puis ça ira bien. Pomme C, pomme V, pomme V, pomme V, pomme V, pomme V, pomme V. Je me fais un pomme V aussi. Je désactive la piste. Je fais une nouvelle piste. Cette fois-ci, je l'appelle hautbois 2. Et c'est parti! J'ai déjà suffisamment de matière là pour faire un truc. Save. Je vais sélectionner la première. La deuxième. Allez, la deuxième. Hop là. Allez, ce sera ces deux-là et ça sera très bien. Comme C. Comme V. Comme V. Comme V. J'en ai deux. En fait, ce que je pourrais faire là, si j'avais envie de continuer, bah tout simplement, je vais harmoniser peut-être ces deux voix-là. Et puis déjà, j'aurai quatre voix différentes. Ça va commencer à bien donner. On écoute déjà ce que ça donne. Et puis j'essaie de trouver un truc par-dessus, peut-être.
et ainsi de suite. Maintenant que tu as toi-même fait un circle song, j'espère que tu as eu l'occasion de le faire, je te propose une petite partition pour finir là-dessus avec un circle song que j'ai composé, voilà, parce que j'avais des idées qui me venaient par la tête. La partition, tu peux la retrouver sur mon blog, évidemment, et la télécharger, et l'imprimer, et l'utiliser avec tous tes amis, bien sûr, sans problème. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que ce format te permet de jouer du hautbois derrière ton écran, et de, voilà, de progresser, de poser des questions, de donner des envies. N'hésite pas à utiliser la section commentaires pour me dire ce que tu en penses, et éventuellement les sujets que tu voudrais que j'aborde, le format, si ça correspond, s'il faut que je prenne plus de temps à certains endroits, ou que j'aille plus vite à d'autres. N'hésite pas, j'attends tes commentaires et je te dis au mois prochain. Salut !